Bonjour, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour l'exercice du jour 10. Je vous invite à vous installer confortablement, à respirer plusieurs fois profondément, à vous détendre, à bien ressentir comment est positionné votre corps. Puis vous allez pouvoir visualiser, comme dans les jours précédents, de belles racines de lumière, une belle connexion à la terre, afin de bien vous ancrer. Une fois que vous avez pu visualiser cette connexion à la Terre, toujours en respirant lentement et profondément, vous allez pouvoir faire remonter les énergies de la Terre à travers vos pieds, vos jambes, et les diffuser dans tout votre corps, dans votre colonne vertébrale, dans votre cœur, dans votre tête. Une fois que vous avez établi une belle connexion avec les énergies de la Terre, vous allez pouvoir visualiser au-dessus de vous toutes les énergies cosmiques rayonnées. Les étoiles, les galaxies, et ces énergies convergeaient vers le sommet de votre tête, comme si un petit fil de lumière partait depuis toutes les étoiles, toutes les planètes au-dessus de vous, et venait dans une spirale au-dessus de votre chakra couronne. Faites rentrer cette lumière dans la glande pinéale, dans la nuque, dans la colonne vertébrale, et diffusez-la dans toutes les cellules de votre corps. Lorsque vous sentez que les énergies cosmotelluriques sont bien intégrées dans toutes les structures de votre corps, vous êtes prêt à vous connecter pour faire les exercices du jour. Premier exercice de concentration. Concentrez-vous sur tous les objets de la réalité extérieure et fixez cette image dans votre esprit. Au cours de cette seule impulsion, ce sera une perception immédiate et consciente de tous les objets qui vous entourent. Évidemment, au début de la pratique de cet exercice de concentration, vous pourrez percevoir seulement une partie des informations sur tous les objets. Ne vous inquiétez pas. L'objectif de votre travail est d'obtenir la perception complète de l'ensemble des objets. Avec le temps, vous parviendrez à avoir une telle capacité. Toutefois, même au début de la pratique de cet exercice, la perception instantanée des objets environnants vous permettra de recueillir au moins une partie des informations sur chacun des objets. Vous aurez une idée générale de l'objet ainsi que son emplacement, par exemple, ne serait-ce que la perception de leur existence. De manière générale, pour obtenir une information sur un objet, vous devez trouver un point de concentration et vous fixer sur lui. Vous serez alors en mesure de percevoir un objet en particulier, ainsi que d'acquérir l'accès à tout autre objet. Comme vous apprenez à percevoir un grand nombre d'objets simultanément, cet exercice vous permettra de gérer en même temps une masse importante d'informations. Par exemple, vous voyez un ordinateur. Vous jetez un coup d'œil sur son aspect extérieur et comprenez immédiatement comment il fonctionne et en quoi il peut vous être utile. Cette technique permet d'extraire une information de n'importe quel objet et de la gérer. L'accès à la maîtrise de l'information peut être logique ou intuitif. En résumé, les exercices indiqués au numéro 1 sont présentés pour 10 jours de chaque mois. Vous pourriez trouver vous-même des techniques de concentration pour les jours qui restent jusqu'à la fin du mois, selon le lien de cause à effet du domaine informationnel. Vous pourrez ainsi développer ce que vous connaissez déjà à propos de la gestion fondamentale. Cependant, je vais continuer à présenter ces concentrations, mais de façon plus brève. Dans ce premier exercice de concentration, l'objectif est de prendre conscience que chaque objet contient une masse d'informations et progressivement, au fur et à mesure que vous allez renouveler cet exercice, vous allez vous apercevoir qu'intuitivement, vous allez recevoir beaucoup d'informations. Un exemple récent a été un tableau qui a été peint et en se connectant à ce tableau, nous avons récupéré toutes les informations qui étaient relatives à l'état de la personne qui l'a peint au moment où elle l'a peint et on a pu corriger des structures informationnelles de son état émotionnel lorsqu'elle avait peint et réalisé ce tableau. Cela s'est fait de manière intuitive sans qu'on ait
spécifiquement chercher à recueillir l'information. Le fait d'exercer son esprit à cette connexion permet de développer davantage de ressenti, d'intuition, et également de pouvoir aller gérer les informations contenues dans les objets, dans les environnements autour de nous. Je vous propose de faire la série numérique à 7 chiffres. Concentrez-vous, respirez profondément, vous allez pouvoir mettre les deux mains devant vous et vous allez créer une bulle de lumière entre vos mains. Tout ça les yeux fermés. Puis une fois que vous visualisez cette bulle de lumière entre vos mains, vous allez pouvoir souffler de la lumière afin de remplir d'énergie cette bulle. Vous pouvez visualiser que vous aspirez l'énergie de la terre et du ciel qui vient se concentrer dans votre cœur, puis que vous envoyez dans cette bulle. Lorsque vous sentez que cette bulle est complètement remplie d'énergie, vous allez pouvoir envoyer les chiffres un à un à l'intérieur de cette bulle. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle à une trentaine de centimètres au-dessus de votre tête et visualiser une grande colonne de lumière dorée descendre sur cette bulle. Cette bulle va pouvoir rayonner de l'information sur vous comme une pluie de lumière, comme si des petites particules de lumière descendaient de cette bulle et venaient remplir tout votre aura, toutes vos cellules, vos structures, votre ADN. Vous allez maintenir cette douche de lumière jusqu'à sentir que l'information a bien été intégrée dans toutes vos structures. Lorsque vous sentez que l'information a bien été intégrée, c'est que vous pouvez passer à la série numérique suivante. Série numérique à 9 chiffres. Toujours, mettez vos deux mains devant vous, créez une bulle de lumière dans vos mains. Soufflez de la lumière dans cette bulle afin de la remplir d'énergie. Puis lorsque vous sentez que cette bulle est bien remplie d'énergie, peut-être les mains vont picoter ou vont légèrement s'écarter, c'est que vous êtes prêt à envoyer les chiffres au cœur de cette bulle. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1. 0. Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle à une trentaine de centimètres au-dessus de votre tête et toujours visualiser cette grande colonne de lumière dorée descendre, remplir cette bulle de lumière, puis la faire se diffuser comme une pluie d'or, comme une pluie de lumière sur vous. Maintenir cette pluie de lumière dans toute votre aura et visualiser progressivement qu'elle se remplit de cette information. Lorsque vous sentez que l'information est bien intégrée dans toutes les structures du corps, c'est que vous êtes prêt. Vous allez ressentir un petit écho que l'information a bien été intégrée. Troisième exercice du jour. L'union de deux chiffres. Le 1 et le 0 vous ont donné la possibilité d'observer le monde dès son origine, comme si le 0 figurait déjà dans le 1. Lorsque vous regardez le chiffre 1 et que vous l'augmentez jusqu'à 10 en lui ajoutant un 0, vous accomplissez une action. Selon ce principe, vos actions doivent être harmonieuses. Vous devez voir que chacun de vos actes augmente quantitativement et qualitativement chaque manifestation. Vous êtes une manifestation du monde. Harmonisez-la avec ce que vous voyez. Surveillez-vous ainsi que vos pensées. Vous devez être là où vous êtes. Vous devez être là où vous n'êtes pas. Vous devez être partout à la fois. Car vous êtes le Créateur et votre harmonie doit ouvrir la voie vers l'éternité.
la résurrection est un élément de l'éternité, de même que l'immortalité est un élément de l'éternité. Vous devez puiser en vous-même l'éternité véritable, au sein de laquelle l'immortalité et la résurrection ne sont que des manifestations de cette éternité. Soyez le créateur de toutes choses. Vous devez savoir ce qui suit la résurrection et l'immortalité véritable. L'immortalité véritable donne naissance au prochain niveau de l'éternité, à un nouveau statut du monde et à un nouveau statut personnel. Vous devez y être prêt, en sachant toujours que les objectifs de l'éternité fixés par vous, ainsi que ceux qui sont apparus dans votre temps, donnent naissance à de nouveaux mondes que vous construisez dans votre conscience. De même que le 1 et le 0 donnent 10, ce monde est déjà ce que vous aurez quand vous serez devenu éternel, car vous l'êtes déjà. Votre immortalité fait partie de vous. Vous êtes éternel et immortel. Il vous faut simplement en prendre conscience. Accéder à ce nouveau niveau par un acte logique comme l'union du 1 et du 0, et l'immortalité sera présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos manifestations et chacun de vos pas. Je vous remercie d'avoir fait les exercices du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les prochains exercices. Au revoir.